Sous le soleil, on se retrouve sur H1Z1. Le jour se lève, ça fait des heures que je cavale. J'ai ramassé un bout de bois. On va marcher un petit peu ensemble et on va voir comment on peut se défendre dans ce jeu. Toujours pas de traces de Jack Spencer. Mon acolyte et moi sommes séparés. Ouais. Quelque chose me dit qu'il fait tout pour m'éviter. Oh, oula, c'est quoi ce bruit? Allô? Ici la forêt. Alors, il y a un petit panneau. Danger de mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ah, des fils barbelés. Ah. Dis donc, le soleil là. Limite de la map ou quoi? Ah, là j'entends un avion là. Non, non, c'est pas la limite de la map, il y a un barbelé là qui traîne, une espèce de plaine forestière. J'entends un avion, nous allons pouvoir montrer aux spectateurs peut-être quelque chose. J'ai croisé quelques zombies près d'une rivière quand j'ai commencé la suite de la partie où on s'était quitté, où je m'étais fait buter dans un bureau. Regardez-moi cette petite vue, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. La map a l'air un petit peu. Il y a un C-130 qui passe dans les airs, là, on peut le voir. On va essayer de progresser un petit peu, voir jusqu'où je peux aller. Je vais vous montrer l'inventaire avec les... J'ai encore 8 murs là à bouffer. Tac, clic droit, on mange. On voit que ce qui est dans mon jeans se vide progressivement. C'est quoi ce bruit? Oh zut. Attends, parce que moi j'entendais pas là. Putain, c'est flippant, c'est une autre chose. Hello? Putain, j'entends quelqu'un marcher au-dessus de la montagne là où je me trouve. Ah ouais, il y a un mec qui cavale là, on le voit. Ok, ça va. Continue à bouffer des blackberries parce que, comme vous pouvez le voir sur mon petit HUD, ça fait grimper légèrement mon hydratation et mon énergie. On peut également voir ma vie et. Mon endurance, c'est quoi ce truc là? Bundle of gold là. Un pack. C'est cool, j'ai des bandages. On va pouvoir aller se friter un peu là. Jack Spencer nous rapporte qu'il y a moyen de looter du matos sur les zombies morts. Oh my god, c'est grand cette map. Bon, le ciel est un peu pourrave, hein, mais. Dans la grande ville. Moi, je suis dans la grande forêt. I think you need ammunition. Tu parles à qui là? You want this one? Wenen? Encore un panneau. Il me parle d'un. Danger de mort. Petite ambiance forêt pas mal là sur H1Z1 quand même. Je trouve ça plaisant. Ça a l'air plutôt stable. Plutôt jouable. On descend la colline. On va bien trouver un petit endroit sympa. Maybe it's broken. Tiens! Finalement crever de faim et de soif si ça continue comme ça. Ouais, j'entends pas ce qu'il dit. Je l'entends très mal, c'est un américain préparé. Apparemment mal préparé. Vu qu'il a un son de merde. Oh, dis-lui d'aller se faire foutre. Il court les mains en l'air, le fou. Attends, je crois que j'ai. Why do you run with your hands in the air? Mais conne ta question. Tu crois qu'il le sait? Dis donc, j'ai mon bécherel anglais là à côté de moi, si tu veux lui dire. Go fuck yourself. Press F2. Non, les gens ont l'air sympas encore ici. C'était quoi encore la touche pour le truc sympa là?
F11. Here we go. Ça va encore faire en l'air mon truc. Tiens, dis donc, maintenant je trouve plus de baies là. Voilà. Le mur. Le gars il courait. Oh, il a pas compris qu'il fallait appuyer sur la touche. I don't know. Bah ouais, je vais te croire. Il y a des loups ici peut-être. Where did you ask it? Je me dirige vers le cri du loup. J'ai pas peur. Good luck. J'ai une branche. Le type en fait, il avait lâché une caisse. Ah. Un airdrop, tu vois, mais il savait pas où était sa caisse. Et je lui ai dit, je fais où, bah, où est-ce que tu l'as demandé? Là-bas, ben bah, je fais. T'es tombé sur une lumière. Ouais, ah, DB. En fait, le type il courait les mains en l'air et dit, je peux pas utiliser mon arme. Bah, ouais, mais j'ai appuyé F2 parce que t'es encore avec les mains en l'air là. Et il fait, ah ouais, d'accord, putain. Bon, on avait compris. Hein. Quel pays. Je ramasse quelques téléphones vite fait là. Je suis dans la ville. Je sais pas ce que c'est cette ville ici. Je ramasse vite une centaine de murs, comme ça je vais me fabriquer un mur en pierre. Ou une baraque. Je sais pas encore où je vais la mettre. Mais pas sur grave. Ah ouais, merde, c'est vrai. Ah, enfin une petite cabane. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai maté un stream des développeurs sur leur jeu. Et une des seules baraques qu'ils ont montré, c'est celle-là, je pense. Donc, est-ce que la map n'est pas très fournie ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Suspense. Ouais, je vais pas vous faire chier à becter mes murs. Oh, de l'eau. Je vais aller fouiller ce qu'il y a là-bas. On n'a pas croisé de zombies depuis 5 ans. À mon avis, là, y a, comme par hasard, il va y en avoir. En tout cas, j'ai pris quelques baies là parce que j'ai faim. Des fois, il veut pas les cueillir. Petit chenapan. Ok, c'est bon. C'est moyen de faire du vin avec toutes ces conneries là. À fond. Ça grogne là-bas. Ou du sirop. Du sirop de Liège. Ceux qui connaissent du sirop de poire. Zombie. Je les appelle, c'est jamais qu'ils répondent. Ça a l'air clean ici. Bon alors, y a pas une touche pour marcher là parce que tu commences à aller à l'intérieur, ça craint. Oh, on s'est cassé les fenêtres. Coucou. Oh putain, une machette. Oh la vache. Et merde. Quoi, j'ai pas assez de space? Je vais t'en faire de l'espace moi. Tiens, ta branche de merde, tu peux te la carrer au cul. Entre une machette et une branche. Et quoi, il faut ramasser un bag ou quoi? Bon, mon t-shirt de Navy là. Ah, on est un mec de la Navy en fait. Merde. Attends, y'a un paquet de chispe par terre, je peux même pas le looter quoi. Putain, je saigne. L'intérieur des baraques, ça grince, j'adore. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Bon, je sèche. Oh. J'ai cassé une fenêtre avec mon poing, et ben je saigne pas. Parce que je suis Chuck Norris. Chuck Même Norris. Le miroir. Alors, je vais te dire où je suis. Ah. Je viens de trouver un panneau là. Attends, je vais boire un coup. Oh putain. Attends, il faut que je prenne des baies parce que... Empty bottle, on peut la remplir comment? Avec de l'eau. Ah ouais, merci. Mais dans une rivière, je sais pas moi. Tu crois que je vais boire l'eau d'une rivière ou quoi? Bah ouais. C'est un truc à choper la chiasse pendant 3 mois ça.
Bah, c'est comme ça que j'ai fait, mais apparemment ça n'aide pas. Je sais pas comment il faut faire. Je vais bouffer quelques Blackberry, les gens. Ouais. Fais gaffe, hein, c'est très plastifié le Blackberry. Ouais. Tu recycles mes feintes? À fond. Tout comme le plastique. Ça prend du temps de se nourrir de B. Bon, y a un petit côté réaliste dans la chose, quoi. Ouais. Tu vas pas manger trois murs et hop là, ma vie est à fond. Enfin, ma vie, mon bazar. Montre-moi un peu cette machette là. Ouh, nice. Ça coupe du bois, ça. Une machette? Ouais, j'ai une machette. Oh le. T'en as du bol, toi. C'est plein soleil. Hein. Je sais pas si je suis en train de couper cette arme, mais en tout cas, ouais, je la coupe. On n'est pas dans du The Forest ou du. C'était quoi encore l'autre jeu là? Rising World. Hein. Ouais. Alors, je vais te dire où je suis. À Next Exit. Ah merde, putain. Bulle, qu'est-ce que ça? Durability, bah ma machette elle fera plus long feu, je vais la garder pour les zombies moi. Vaut mieux. J'ai coupé un arbre et le bois il se met où? On s'en fout. Je sais pas. Il faut un sac ou je sais pas quoi parce que là putain c'est rien ramassé quoi. Allez, prends quelques baies. Quel pêche. Une fois sur deux, elles veulent pas se prendre. Oh, une bagnole de flic. Faut voir si elle roule. Ah, bah je suis de nouveau près d'une rivière, tiens. C'est normal qu'il y ait un cerf qui vienne sortir d'une caravane. Ouais, c'est normal. Tout le monde a droit à un peu de confort, hein. Ah, c'est un vrai campement ici, c'est génial. Ah, je vais vous montrer la flotte, les gars. Merde, il manque des composants dans le truc. On va le faire. Oh, c'est génial, il faut un boost, une batterie. Park plugs, c'est quoi ça? C'est un ticket pour te garer, ça, je crois. Ouais. Tiens, il y a un truc qui m'énerve dans ce genre de jeu, c'est quand ils te foutent un son de loup et qu'il n'y a jamais de loup. Si, il y a des loups. J'en ai vu un tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'il me semble que sur les screens j'avais vu les ours et les loups. Je suis le témoin vivant qu'il y avait de l'ours. Oh nom de Dieu. J'ai trouvé une hache. Et je pense même que. Voilà quoi. Dégage toi. Vu le bruit qu'il y a dehors, moi je prends la hache, hein, je te le dis. Number 4. J'ai une putain de hache. Et j'ai encore à boire. C'est bien ça. Petite cabane sympathique. Putain, si je parviens à trouver les composants pour. Tu viens me chercher alors? Pour cette voiture, ouais, je viens de chercher directement là. Et là, on fait le tour de la map avec les sirènes. scrap of clothes. Putain. Rien trouvé là-dedans. Ah! Là, le bruit il est proche, donc on va peut-être croiser le premier loup. Crap metal. Ah voilà. 3 wood logs. Ok. Time to craft something. I need your love. Et pour crafter, tu fais comment? T'appuies sur I. Et après il y a un onglet crafting. Ouais je sais mais... Je peux pas. Ah bon? Mais où est-ce qu'il est le bois que je viens de ramasser? Est-ce que je l'ai vraiment ramassé? Discover. Une fois essayer de jouer un peu avec cette merde là. There are two recipes to find. Discovery. À mon avis c'est pour choisir ton... ton émission favorite. Non, mais j'essaie de piger. C'est chiant leur truc là. Ouais.
Putain, ça craint quoi. Oh, une fournaise. C'est désert ici. Je pense que je suis arrivé là où tu étais tout à l'heure. Moi c'était pas désert, c'était plutôt une grande forêt. Je sais pas, c'est une grande plaine avec des chemins, avec un grand chemin en terre. Ah ouais, tout à l'heure là où j'étais avec ouais, mon pote là. Ouais ouais, je pense. Il y avait une un parking avec des caravanes et des maisons. Alors vu comme c'est parti là. C'est assez gigantesque. Ouais. Donc pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je peux rejoindre mon pote ? Ben, dites-vous bien que vous pouvez toujours oublier. Oh, j'ai trouvé un marteau. Oh, il est de mauvaise qualité. Ah, une autre baraque. J'ai trouvé une hachette. On va sprinter jusque là. Mais c'est un jeu de zombies, mais y'a pas de zombies! C'est à peu près la même recette hein, que dans les autres jeux de zombies quoi. T'en croises pas un putain de zombie dans la forêt, par contre, t'arrives dans une ville, y'en a mille quoi. À croire qu'ils ont pas regardé The Walking Dead. Hein. Ouais, ah, c'est vrai. Il y a une petite route ici. Ah non, c'est de la flotte, putain! J'ai hésité un moment, mais ça me paraissait fort gris quand même. Hé hey, oh, y'a quelqu'un? Les gens ici ont systématiquement deux gros barils devant la maison. C'est la mode dans la région. Des zombies dans les baraques? Non. Ouvre rien ici. D'accord. C'est pas nécessaire. Putain, y a des loups. J'entends un loup. Ouais, moi j'entends le drôle de truc. Elle est vite celle-là. Liège. Apparemment dans les chiottes, les loups, c'est pas ça. Et je suis en train de me déshydrater, c'est pas bon. C'est plutôt la dalle. Ouais, je pense que je vais me faire un petit tour de baie là. Mais il y en a plus. Bon, dès que t'es dans une zone, il y en a un paquet. Pour l'inventaire, on peut voir au pourcentage aussi, comme sur le petit œil de la droite, c'est pas mal ça. Juste gris, il va pleuvoir. Niveau météo, ça a l'air sympa. Hein. Un petit bottle, merde, pas bon ça. Où je remplis ma bouteille, mais il n'y a pas de rivière ici. Ah, c'est bien foutu les la météo. Parce que ouais, là j'entends du vent là de plus en plus fort et il commence à faire vraiment gris. À mon avis il va pas tarder à dracher. Ah ouais, je vois aussi. Putain, j'ai quitté le truc là, on est de nouveau dans un... C'est reparti pour l'aventure, à moins que je sois de nouveau en bout de map. Enfin, j'ai un doute quand même, on va aller voir cette... Après, puis je vais... Est-ce que tu vois des pylônes électriques, toi? Non. Non, on est encore loin de l'un de l'autre, je pense. Ouais, je crois que c'est géant. Hein. En tout cas, quelqu'un est passé par ici parce que il y a plus de baie. Ça craint un peu pour moi, ça. Passe pas grand chose. Non. C'est-à-dire qu'apparemment j'ai spawné en bord de map, ça je suis sûr parce que je voyais bien la rivière là où j'étais au départ qui avait un grand mur de montagne derrière comme ça. Assez discret mais bon, on captait bien que c'était là-bas, le bout de la map quoi. Ouais. Ouais, je suppose qu'ils vont quand même agrandir la map. Ouais. Que malgré que ce soit grand, c'est
Après, ce serait quand même le but de se déplacer en bagnole, quoi. Déjà maintenant, je crois que ce serait pas complètement futile, parce que là... Ouais, bon, faut avoir les pièces, quoi. À l'heure où les jeux avec monde généré aléatoirement et infini pullulent, ça reste toujours un gros challenge de lancer un jeu avec une map créée, quoi. Ouais. Maintenant, si elle est vraiment grande et qu'après ils rajoutent des zones avec des villages, des villes, ouais, ça peut être cool, mais... Vu comme ça, ça a l'air plutôt grand déjà. Un des aspects qui m'intéresse le plus, moi, c'est vraiment la météo, parce que je sais qu'il y a moyen qu'il neige. On a déjà vu la pluie tout à l'heure, même si c'était pas magnifique. Ça rajoute une certaine ambiance quand même. Il y a de la neige, tu penses? Ouais, ouais, parce que sur les live streams des gars, là, j'ai vu, à un moment donné, il commence à neiger. C'est pas mal foutu parce que t'as vraiment la neige qui se met au fur et à mesure partout sur le sol et tout. Ouais, ça devient blanc. Ouais. J'adore ça. Ah bah tiens, c'est quand même bizarre ça, c'est quoi ça pour un bug? Non, c'est rien, j'ai flashé. J'ai cru voir des trucs blancs justement dans un arbre. Bon ouais, je confirme que la map est pas petite, hein. Putain. Parce que tout ce que j'ai déjà traversé, là je vois encore les forêts et les plaines qui s'étalent à perte de vue. C'est pas minuscule, hein. A priori, à première vue, je vois rien de super intéressant à vous montrer. Je crois que passer les 20 minutes de vidéo là, voilà, pas tarder à couper. Ouais, je sais pas si on va se retrouver encore aujourd'hui. Mal barré. Quand je vois l'étendue du bazar, je vois pas comment on pourrait faire, hein. À moins d'avoir un gros coup de bol. Est-ce que j'ai cette putain de torche allumée, moi? J'ai trouvé une rivière ici avec un pont cassé. T'imagines si dans la taille de ce bazar je trouvais une rivière avec un pont cassé, bah tu peux m'attendre 6 heures. Mais il doit y avoir quand même des maps, quoi. Putain. Je sais pas, mais c'est tendu du slip là. C'est pas encore fait pour jouer avec tes potes, quoi. Ah, là on a vraiment un bruit de vent très important qui arrive par là. Je suis curieux de voir si je marche par là, si je vais me tomber dans la pluie. Météo dynamique ou pas? Il fait quand même fort gris et brumeux. Si tout d'un coup il se mettait à pleuvoir, ce serait quand même vachement bien foutu ça. Je suis avec une route en terre là. Ouais, la pluie qui vient petit à petit, ce serait génial. Quand tu vois le ciel et la brume comme ça au loin, t'as l'impression qu'au loin il pleut, tu vois. Ouais, ouais. Je me dirige un peu vers là en espérant que... Par là, je trouve qu'il fait fort gris. On va aller voir. Putain, je commence à avoir faim à crever dans ce jeu. Ouais, moi je bouffe des baies, hein, parce que pas trop le choix. Ouais, moi aussi, mais bon, là j'en ramasse un paquet, je les boufferai quand j'aurai arrêté la vidéo. Parce que regarder quelqu'un bouffer des baies pendant 10 minutes là. Ouais. C'est vrai que c'est pas... Je sais qu'il y a des mazos quand même. Là, je me demande si on doit pas crafter les objets pour la bagnole. Non. Non ? Non, non, dans le stream que j'ai vu, il disait qu'il y avait sur 200 ou 300 voitures, il y en avait 50 sur toute la map qui était ouvrable, donc conduisible. Les autres c'est que du loot. Mais sur les 50, si je me rappelle bien de mémoire, il n'y en a que 2 qui sont complètes. Ah ouais. Donc c'est pour forcer entre guillemets les joueurs à piquer les pièces des voitures pour à un moment donné en trouver une et avoir toutes les pièces. Oh putain. Elle trouvait un pont. Un grand pont. Mais pas cassé. Non, mais je vais le casser. Oh, attends, tu passes peut-être à côté de moi, je vais aller voir. Ça donne sur des chemins en terre. Oh putain, à mon avis, je vais plus être seul longtemps, je vais continuer la vidéo. Ah bah, y'a un mec qui cavale là. Il est en train de ramasser plein de baies, c'est pas toi? T'es où? Je suis sur un chemin en terre, je remonte vers la route et le pont. Y'a un grand pont et y'a une sorte de bâtiment, on dirait une pompe à essence.
faut que ça fait quand même bien une bonne grosse demi-heure, si pas trois quarts d'heure, une heure, que je suis en train de cavaler dans des maisons en bois et dans la forêt. Et enfin, j'arrive sur une route en asphalte où il y a des bâtiments et des joueurs. Je suis à Lochner Highway. Lochner Highway. Ouais, il y a plein de bâtiments ici. Mais à mon avis, il n'y a pas que des bâtiments. Il y a un mec en blanc au milieu de la route là. Donc déjà, s'il y a du loot intéressant, bah, je peux me le carrer l'eau, je pense. En fait, ouais, t'as vraiment des panneaux d'indicateurs. Green Horde Road. Green Horde Road. T'as pas dit que t'étais à Pleasant Valley à un moment donné? Non. Il y a plein de gens ici. Ça va être casse-couille parce que comme par hasard là où il y a de l'action ouais, il y a plein de joueurs, donc les loots tu peux déjà te les foutre là où je pense. Ah, je sais pas, faut voir. J'aimerais bien trouver un panneau. Par contre, me faire blesser par un zombie qui tape, ça me saoule grave. Ouais. Ah si, là, il a donné un petit coup de tapette. Ouh, j'entends des loups. Aïe. Bon, y a... Ah ben voilà le plan. Not safe. Moi je suis à Hunter Drive ou un truc comme ça. C'est quand même pas le plan complet de la map, ça. Non, c'est des parties de map, hein, c'est ça. Hein. Ça aussi, ils expliquaient dans leur stream. Ouais. Ouais, il me semble que c'est des parties de map des régions. On peut fouiller les intérieurs. Bon, je crois que je vais vite comprendre que ça sert à rien de fouiller parce qu'il y a rien. Ok, je pense que je sais où je suis. Je suis tout à fait au nord, je pense. T'entends un avion? Non? Très très loin. Ok. Bon, il va falloir que je bouffe mes 500 B là, donc je vais pas tarder à couper. C'est qui a fait un feu ici? Bon, je trace la route et je vais essayer de te rejoindre le plus vite possible. Ok. Je pense que je sais où je suis. Je viens de voir le plan et... Là, tu t'étais à... Truc à Highway ou un truc comme ça? À un mile de là, ouais. Ouais, ok. Je montre un peu aux gens, là, les... L'inventaire des... véhicules. Normalement, si je coupe un vol d'oiseau, on n'est pas loin. Et je vais arrêter la vidéo là. J'espère quand même que ça vous aura plu de voir un peu le début sur H1Z1. See you soon!